dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Claire confronte Joshua, Lucille et Hakim passent du temps ensemble. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 26 août dans Ainsi Grand Soleil. Claire confronte Joshua dans la matinée, Florent demande à sa compagne de le tenir informé de l'état de santé de son père avant d'ajouter qu'il a trouvé le docteur Maury très sympathique. L'infirmière prétend alors que son collègue s'est calmé depuis quelques jours et que leur relation s'est arrangée. Pendant ce temps, Joshua prend en charge Victor qui se plaint de douleurs diffuses dans le corps. Après l'avoir examiné attentivement, le médecin rejoint le docteur Alphan pour discuter du patient. Convaincu que Victor souffre d'une infection subaiguë, Joshua insiste pour programmer une ponction lombaire de toute urgence mais Alain refuse car Victor est son patient. Joshua s'emporte et lui reproche de parler comme un bureaucrate plutôt qu'un médecin. Plus tard, Claire voudrait envoyer une vidéo de son petit frère à Adèle mais Victor préférerait qu'elle s'abstienne afin d'éviter de mettre sa compagne au courant de son hospitalisation et gâcher son séjour chez ses parents. Par la suite, le docteur Alphan raconte les détails de son entrevue avec Joshua à Claire et s'interroge sur son état de forme. Claire lui révèle alors qu'il rencontre quelques problèmes personnels. Dans l'après-midi, Claire s'est aperçue que Joshua a pris des antalgiques dans la pharmacie de l'hôpital sans le noter dans le cahier détox et décide de tirer cette histoire au clair. Même si le frère de Mo affirme qu'il a pris des médicaments pour soulager une douleur au genou, l'infirmière sait pertinemment qu'il a développé une addiction et lui conseille de se faire soigner. Hakim et Lucille passent des temps ensemble chez Elle Cosmétique, Bilal questionne Henrik sur le travail d'Hakim. Impressionné par le jeune homme pendant le confinement, le mari de Mo fait l'éloge de son collègue. Comme il ne fait aucun doute qu'Hakim a su trouver sa place au sein de la société, Bilal se dit fier de lui. Hakim confiera plus tard à son frère qu'il va beaucoup mieux et qu'il a l'impression d'avancer. En parallèle, Lucille rapporte à sa supérieure qu'elle a choisi de voir Hakim sans se prendre la tête et que cette relation lui va très bien ainsi. Mais Alice, qui est loin d'être dupe, sait pertinemment que la jeune femme espère que cette nouvelle histoire dépassera le stade de l'amitié. Peu après, Louise retrouve Hakim dans un bar. Lorsque Lucille l'appelle, il préfère ne pas répondre et explique à Louise ses états d'âme concernant sa relation avec Lucille. Afin de mettre un peu d'ordre dans sa tête, Louise l'encourage à appeler la jeune femme. En fin de journée, Hakim attend Lucille au zoo avec un bouquet de fleurs qu'il jette précipitamment en l'apercevant. Alors qu'il passe un bon moment à la plage à se remémorer quelques souvenirs, Lucille indique qu'elle aimerait l'embrasser mais lui souhaiterait plutôt prendre son temps afin d'éviter que leur histoire ne foire à nouveau. Bien qu'un peu déçue, Lucille rétorque qu'il a raison puis signale qu'elle ne sait plus non plus où elle en est. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?